Outil de collecte, déjà? Putain. On est où, là, déjà? C'était pas censé être... C'est un verger ou je sais pas quoi? Bon, salut à tous, nous sommes sur Condemned Criminal Origins, et nous recherchons... Alors, je crois qu'ici, il y a les deux tueurs en série que nous recherchons, normalement. C'est-à-dire le tortureur et le tueur X. Le tueur X s'étant attaqué au tortureur et l'ayant ramené ici. A priori. Donc, alors... Viser et focaliser l'appareil photo numérique vers... Bah, vers ta mère, hein, je sais pas. Ah, il y a un truc. Marqué quoi? Utiliser l'outil de détection. C'est quoi? C'est un chapitre de la Bible ou une connerie comme ça? Ce serait pas étonnant. Oh putain, c'est les volets qui font ce bruit là. Ok, d'accord. Apparemment on est perdu en pleine cambrousse. Oui, je crois que c'est un... C'est des cerfs ou je sais pas quoi. Je sais plus exactement, mais de toute façon... Voilà, c'est un truc agricole en tout cas. Complexe agricole. Oh, attends, le tisonnier. Oh, je peux prendre le tisonnier! Oh! Eh, mais un coup de tisonnier dans la gueule, en vrai. Ça fait super mal. J'ai regardé dehors parce que j'ai vu un truc monter dans le ciel. Je sais pas ce que c'est. Alors, ouais, le... L'ambiance est bonne chez moi aussi, hein. Voilà. Alors, et je dois chercher des choses avec ma lumière verte. Grande planche. Mais grande planche, c'est moins efficace que mon tisonnier. Et non. En vrai, c'est tellement classe d'attaquer avec le tisonnier. D'accord. Apparemment, derrière cette porte... Personne ? Ballon, bâton boulonné. Il y a de la bouffe chinoise. Et là aussi, ces espèces de... C'est quoi d'ailleurs? C'est des numéros. Je crois. Ouais, si c'est ça. Quoique non, il n'y a pas que des numéros. Des fois, il y a des symboles chelous. Ouais, des fois, il y a des symboles un peu bizarres. Je sais pas trop. Bizarre. C'est de l'elfique. Bon, rien dedans, apparemment. L'ambiance, en tout cas, est... Plutôt terrifiante. Il y a une cuisine, c'est un oiseau mort. C'est quoi cette chose? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je peux pas analyser ce machin là? Espèce de chiffon ensanglanté, je sais pas trop quoi. J'ai l'impression d'entendre les mouches autour. Alors non, c'est pas moi hein, qui me suis pas lavé, voilà, c'est plutôt ça. En général, quand t'entends les mouches, c'est qu'il y a un oiseau dans le coin. Putain, mais la baraque est immense, en fait. Alors, oui, à chaque fois, je me fais surprendre par les bruits. Mais en fait, les bruits sont normaux. La cave, ok, ça, c'est pas un bon plan. Puisque ça correspond au... aux vitres
Avec les volets là qui tapent dessus. Aux fenêtres. Ramasser la masse. Ouais, vous savez, bah vous savez... Non, pas... Non, non. Ah, non. Je voulais ouvrir ça, moi. Vous savez pourquoi je la prends, hein. C'est qu'à mon avis, si on me propose la masse, c'est que possiblement, au sous-sol... C'était où, le sous-sol? C'était là-bas. Il y a un accès à péter avec la masse. Il m'a fait peur, il m'a fait peur le bâtard. C'est encore des gollums. Bon, c'est que des gollums. Hors canalisation, ouais. Non, mais s'il y a un gollum, ça veut dire qu'il y en a plusieurs en fait. Oh, 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 oh. Vous avez vu qu'il y avait des yeux là? Un miroir qui est là-bas. Ça, ça va être un jumpscare terrifiant. Ok. Les yeux sont là. Ah, ça y est. C'est quoi ce bruit, putain? Il y a le... Mais c'est le... C'est le bois de la maison qui travaille? Oh là là, alors ça... Ah, je l'attendais, mais je trouvais ça bizarre. Bon, l'effet de surprise est un peu manqué parce que du coup on s'y attend. Et l'effet de réflexion est un peu... Enfin, le miroir est un peu terne en fait. Et incassable apparemment. Mais ils ont fait un petit effort quand même. Et le miroir dans Harry Potter. Tu peux voir tout ce que tu désires. Moi j'ai vu un gollum, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je veux un gollum dans ma vie. Et comme quoi, en vrai, au niveau du design sonore, il suffit de pas grand-chose pour te foutre les jetons. Y a rien, là. Et pourtant, c'est terriblement efficace. Ah, y a toujours... Ah, mais les signes sont encore plus bizarres ici. Alors là, pour le coup, on pourrait presque lire, non? Ouais, non, parce qu'en fait, on dirait des gribouillis. Ouais, ça se trouve, ça va nous amener au tortureur qu'on va retrouver mort, là, je sais pas où. Ah, oh, putain, mais... Espèce de... C'est bien foutu, hein, cette espèce de son de... bois, là, qui craque! See yourself to be. Alors, regarde-toi pour voir, c'est ça? Peut-être un indice. Ah, mais il y a 4 indices à trouver! Ah, d'accord. En début, c'est le début là. Non, c'est pas. Non, oh putain. Il avait un bâton lui. Non, non, c'est pas le début. Encore un autre accès, mais je peux pas y aller. Inspecter. Ah non, inspecter, c'est parce que j'arrive là. Mais il y a d'autres choses ici ou pas? J'ai l'impression que à chaque fois, c'est symbolisé par des écrits différents au sol. Du coup, je saurai assez vite. Les indices que j'aurais retrouvés et ceux que j'aurais pas trouvés. Voilà, là par contre, on a fait le tour.
Ok, d'accord. Donc il va falloir retrouver des indices. Alors trois indices, c'est ça? Dans la maison. Il y a un bruit. Il y a un bruit. Mais d'où vient le putain de bruit? Mais... Vas-y, ça je ferme. Il est où? Si, j'ai l'impression que c'était en bas, hein? Bon, on va être méfiant. Donc là, c'est quoi? Ah, dans le four! Ok. Il doit y en avoir d'autres. Deux des quatre indices. Donc c'est ça en fait. Peut-être qu'à chaque fois que je trouve des indices, j'attire des gens dans la maison. Y a rien là-dedans, on dirait. Dans cette pièce, y a rien du tout. En fait, t'es vachement vulnérable quand tu utilises cette lumière là. C'est les volets, hein. C'est les volets qui font ce bruit. J'ai bugué là pendant un moment, j'étais là genre, mais qu'est-ce qui se passe? La cheminée, en fait, j'ai pas regardé, il y a peut-être quelque chose dans la cheminée, non? Non, non, apparemment, non. Alors là, bah lui je l'ai pris en photo déjà. Ah mais attends, il y a un étage. Ah il y a un étage. Il faut que je fasse gaffe, je suis pas venu moi ici là. Mais la baraque elle est gigantesque! Ah oui. Quelque chose qui me mène dans le coin. Oh là là. Oh là là, mais cette baraque elle est tellement gigantesque, il y a un moment... Il y a tellement de monde qui va venir me rejoindre ici et qui va vouloir me buter. C'est une évidence. Mais putain! Qui fait ces bruits? C'est l'extérieur? C'est à l'extérieur qui sont les mecs? J'arrive pas à déterminer d'où vient le bruit. Alors, et hop. C'est hyper angoissant en vrai. Je vais aller voir à l'étage. En fait, il y en a deux à l'étage. Je le perds un peu là. Mais merde, c'est super stressant! Elle est immense, cette putain de baraque! Ah, je peux pas rentrer ici. Là, il y a une salle de bain. Oh, mais c'est trop grand! What? Attends, qu'est-ce que c'est ça? Putain, là, c'est un... Alors, déjà, un oiseau. C'est intéressant par contre.
Ah, ok, une plaque. Ça va être un niveau assez court, hein. Je crois que le niveau se concentre uniquement sur la recherche des indices. Là, c'est fermé. Ok. Donc ça signifie que ça fait le tour. Alors, si il y avait moyen de rentrer dans la porte qui est fermée juste à côté. Ah, le voilà. The Dark Path. Hop. Comment je fais? Attends. Ah, voilà. C'est pas assez proche. Donc. Another piece of the puzzle. Keep searching. 3 sur 4. Et là, je peux... décidément pas rentrer dans cette pièce. Tiens. Déplacer objet. Ah ah! Oh putain, heureusement qu'il y avait les moumouches, hein! J'aurais pas entendu, moi, sinon celui-là. Ok. Ouais, mais je sais pas s'il y en aurait d'autres à l'étage, en fait, de. La masse est nécessaire ici. Comme quoi, j'ai bien fait. Oh. Alors, ça, par contre, j'aime pas beaucoup. Évidemment, il fallait qu'il y ait un. Fallait qu'il y ait un grenier. Pas marrant sinon. Il y a beaucoup de soins quand même dans la baraque, hein. Pour juste des petits ennemis tout pourris, c'est. C'est suspect tout ça. Tiens, un oiseau. C'est le dernier, non? Je crois que c'est le dernier. Ah, c'est bon. Bon, pas grand chose d'autre ici, mais je pense que le dernier indice se trouve par là, comme... Oh, hop, hop, hop. What? Ah mais c'était l'espèce de malade avec ses tonfas là. Il m'a tellement fait peur, je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Mais j'ai perdu de la vie. Alors que, je sais pas, je pensais qu'il était dans la tête d'Ethan moi ce machin. Ok. Alors, attends. Ouais. Quoi, ce délire? Les trucs, ça... Ah oui, ça reprend là. Ça reprend là. Ouais. Faut passer derrière. Faut passer derrière. Je fais comment? Je suis censé faire. Alors, faut que je contourne. Bâton boulonné. Ouais, j'avais pensé à passer par-dessus, mais je pense pas que ce soit la bonne solution. En fait, il faudrait... Il dit rien, en plus, c'est bizarre. Non, non, apparemment, je peux pas passer ici. Le truc va là. Bizarre, il s'arrête à cet endroit-là. Parce que des planches, en fait, ont été enlevées. On a viré des planches. Du coup, il y a l'isolation qui est à nu ici. Et après, ça reprend. Ouais.
Comment je fais pour aller derrière? Ah, non? Si, non, je sais pas, pendant un moment. J'ai trouvé le... l'animation bizarre. Faut que je fasse. Bâton boulonnais. Bizarre, ouais, y a tout un tas de ramassis d'armes ici. Je vois pas quoi faire. Je vois pas quoi faire. C'est bizarre quand même, puisque je me suis fait attaquer par par l'espèce de machin chelou avec ses tonfas là. Y a moyen de contourner? Non, en fait la maison fait une sorte de U, on dirait. C'est ça. Mais attends. Mais. Mais où sont passées les barrières qui étaient là? J'ai même plus reconnu la pièce, j'ai plus vu les barrières, je croyais. Ok, donc ça descend. Je suppose que c'est un bug. Mais c'est bizarre. Ok, de nouveau les volets. Y a rien dans la bibliothèque, la cheminée. Ouais, je suis désolé, ça m'a perturbé en fait tout ça. Alors attends. Les mots, ils viennent de là. Et ouvrir le banc. La maison, il y a sûrement des indices qui vous aideront à comprendre. Putain, mais Rosa, la sombre voix du juste se trouve au-delà de la façon dont on se perçoit. Bah, c'est derrière le miroir alors. C'est derrière le miroir, non? Ah, puis attends, ça y est, maintenant la maison va y avoir du monde, non? Je trouve cet endroit énormément calme. Va falloir redescendre. Putain, c'était pas par là. Va falloir redescendre dans cette putain de cave où il y avait visiblement du bruit et tout. Oh là là, mais j'ai pas envie. Et puis là, ici, on entend bien le. Ah oui, tout à l'heure, j'ai entendu un bruit ici. Il y a quelqu'un qui m'a couru après. J'ai l'impression qu'il y a encore quelqu'un là. Je suis barré comme un voleur, mais tiens. Ah bah voilà, il était pas bien dangereux celui-là. Bon, le miroir. Du coup, ouais, je pense que c'est ça, hein, comme on se perçoit, tout ça. Il faut péter ce machin. Ouvrir la porte. Eh bah ouais, c'est ça, parce que tout à l'heure, je pouvais pas. Alors. Bah Ethan, si t'avais ouvert le placard tout à l'heure, eh bah t'aurais pas eu besoin de chercher partout comme ça. Station, il y a un enregistrement qui est là. Il y a un lit, il y a quelqu'un qui a été torturé ou je ne sais quoi ici. Enfin, qui a été déjà retenu en otage. Il y a des films. Ouh, pas bon ça. C'est quoi? C'est Ethan? Je sais pas trop. Je dirais qu'il y a plusieurs personnes là-dessus. Je sais pas.
Ethan Thomas. Ah. Je sais pas pourquoi le tueur X s'intéresse à Ethan. It looks like it's about me. It is. Did a quick scan. There's a few newspaper stories about your investigations. It's even got internal bureau newsletter articles on your career progress, promotions, postings, things like that. The last few pages are newspaper clippings about serial killers not being found. Some of these are circled in red with a L'ambiance sonore est bien branlée, allez, génial. Looks kind of like our serial killer X has been following your life and career pretty closely. Yeah, but why? Maybe he likes a challenge. Maybe he's chosen you to go up against and he's trying to understand his enemy. Maybe. Maybe, but I don't know. Seems more to it than that. Évidemment. Allez voir ce qui a causé le bruit dans la cuisine, mais... J'ai tellement pas besoin de voir, parce que je le sais ce qui a causé le bruit dans la cuisine. Y'a rien d'autre ici? Voilà, bon, ça c'est parfait. Me retrouver avec des connards partout dans la baraque. Putain, j'avais pas besoin de ça! Ah, heureusement que les mecs sont pas discrets, hein. Ils sont rentrés par la fenêtre. Ah ouais, il s'est blessé. C'est quoi cette merde? Il y avait de la lumière ici avant, non? Ah, le gars s'est blessé complètement, ouais. Il a été où? Ah, ça? Non? Attends, mais ces traces... Attends, non, j'ai pas accès à ma lumière ici, hein, pour ceux qui se posent la question. Donc, attends, le mec s'est arrêté de céder tout d'un coup, donc... c'est... Ah? God, please. I can't take this anymore. My ears. My ah, c'est le tortureur, ça. Mais t'es où? Mais je te trouve même pas, je sais pas. Il y a un coffre, baramine. Pas. J'ai manqué quelque chose ou pas ou quoi? Allez. Hop, petit coup de manche. Voilà, ça manquait d'action là tout ça. Allez. Voilà, ça c'est fait. On a encore des candidats? Allez, je suis en forme là. Alors, ah oui, il y en a bien un qui va m'agresser avec une hache. Avec quoi là? Sur toi, sur toi. Ça c'est... Mais... La barre à mine. Bah attends, ça c'est intéressant. Quoi ce délire? Ah tiens, tu fais... Bizarre les mecs quand même des fois. Fils de pute, là, tiens. Bon, il m'a bien blessé. Il m'a bien blessé. Tu fais quoi toi? Tu fais quoi? Et il a fait le tour. Heureusement que j'ai ce taser parce que... Mais sans lui, mais ce serait tellement pas possible. Qu'est-ce que tu fais toi?
Donc c'est pas une blague. Va falloir attendre le mec. Il va venir avec une hache. Mais là il me faudrait des soins quoi. Oh là là. Oh lui il a quoi? Il a une pulse. Tu peux rien faire avec ta pulse. Ah, il y en a un autre là. Ça m'a l'air d'être tellement cheaté en fait mon taser. Ah, tu as entendu tousser dans ce coin. Désolé, j'ai gâché ta surprise. Tiens. Il y a quand même un truc qui m'a étonné un peu tout à l'heure. C'est Oh, lâche. Ah, putain, il y a un mec derrière. Non. C'est toi qui m'as touché? C'est bon, j'ai lâche. Faut du soin. Attends, j'aimerais Attends, il est où moi? Allez. Baramine. J'aimerais regarder ce qu'il y a là-dedans quand même. Fusil de chasse? Ah, c'est plutôt pas mal ça. Ça m'aurait bien aidé avant. C'est que, en fait, j'ai quand même l'impression quand même que j'ai raté quelque chose. Ah, la porte est fermée. Comme si, en fait, je sais pas, le mec tout à l'heure est rentré, il a dit « Oh là là, on a fait ça à mes mains et à mes oreilles, je sais pas quoi. » Et à moins que je l'entendais et que lui, il était dans une pièce différente, juste au-dessus, par exemple. Je trouve ça curieux et je suis peut-être passé à côté, j'ai pas compris. Pour couper la rampe avec la hache, mettez-vous face au... La rampe avec le piano, hein. Ah, d'accord. Poussez le piano. Non. Voilà, maintenant je vais pouvoir récupérer le petit fusil. Oh là là, mitraillette et fusil. Ah mais c'est trop bien. Combien j'ai de balles? 20 balles. Ben, un carnage là. Oh, y a qui là-haut? C'est qu'il y a quelque chose. Sans l'hallucination, hein. Enfin, je peux toujours pas passer là. Là, il y a une porte qui restait fermée, hein. Ah bah là, elle s'est ouverte. Ok, c'était tout simple. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le tortureur? Ça doit être le tortureur. C'est chelou, pourquoi tu veux pas regarder le cadavre directement? Va mieux? Attends, si ses mains. C'est ça, ses mains. Elle veut ses empreintes, c'est ça? Cross-referencing print. A positive match. This guy's Carl Anderson. Ah, donc c'est bien le tortureur. Christ, it
Looks like serial killer X got to him, painted him up, tortured him, drove him to suicide, just like Anderson did to his victims. Our man must be near. Be careful. Your lab access is terminated as of now. Taxpayers wouldn't like you using resources when you're officially on suspension. Farrell, listen to me. Talk to Rosa. We're this close to getting the guy. I don't know what poor innocent schmuck you're chasing, but stop it now. Come into the bureau. Give yourself up and we'll talk. There are things we need to discuss. I can't do it, Farrell. Then play it your way, but we'll find you. Count on it. Looks like you're on your own, Thomas. Évidemment. Le fameux cliché du Carl. Carl. Du flic destitué, bien sûr. Mr. Torturer. Don't you want to know what it feels like? We're not even half done. Carl. You know how this will end. D'accord, c'est pour ça que c'est suicidé en fait, parce que l'autre était en train de. Qu'est-ce qui se passe? Bordel de merde. Your fate is in my hands. Qu'est-ce que. Il s'est passé pour lui? C'est pas une idée de merde ça? Oh, c'est vachement bien fait! Du coup, ils se servent du. Du reflet dans la télé et tout ça. C'est vraiment pas mal! Il y a une différence de constitution quand même entre les deux hommes. Hein. Normalement, il doit griller direct. Bah attends, je vais le griller moi! Ah, je peux pas! Mais Ethan, bordel! Ton taser! Eh non, je gagne pas ce combat, il s'arrête de courir ce boulet là. Il est où? Il est où? Ah, puis tout d'un coup, je sais pas, il s'est décidé à voir moins clair. Pour les motifs, mais je vois que dalle! Heureusement qu'il arrête pas de gueuler, hein. Ah oui, voilà. Non, mais ça va, il m'attend en plus. Mais regarde, il est fatigué. Bon alors, mon petit gros, allez. Ah. Bim! Bim! Et bim! What? Attends, attends. C'est Van Horn? Je comprends rien. Donc Van Horn protégeait... Alors, ce qu'il a appelé Leyland, donc le tueur en Zyrix, là. Ok. Si tu veux. Alors, j'ai hâte que toutes les pièces du scénario soient réunies, parce que là, pour l'instant, je pige que dalle. We were good in the beginning, but you turned out to be kind of a failure, didn't you? You still don't get it? I've been using you, Ethan Thomas. I watched you, and followed you, and used you to find the serial killers you so desperately sought, and then kill them. Okay, I must admit, I was a bit dramatic. Killed them the same way they'd killed their own victims.
A bit of fun, you know. I got good at it. Shame it ruined you at the bureau. Ah, c'est ce que je pensais. C'est... Il a fait un jeu de copycat, hein, ce qu'on appelle un copycat. Of course. Intéressant. Explique pourquoi le tortureur a été torturé et pourquoi le matchmaker a eu droit à la même scène, à la même mise en scène que lui réservait à ses victimes avec les mannequins. Or maybe the bone cutter. Neatly dissected the body, removed the internal organs and labeled them for the police to find. Ça a l'air d'être un homme incroyablement sain. Putain, qu'est-ce qui se passe? Quoi cette merde là-haut? Bordel. Find and destroy it. It has caused all this madness. Go, kill it now. Mais tu quoi? C'est ça toute cette démence. Quoi? Mais putain! Mais tu... Quoi? Je comprends rien! Quoi? Attends, mais... C'est le truc qu'on a vu, là, qui se balade... Je vois rien du tout, je... Attends... Bâton en feu! Ah! Voilà, là, je vois mieux! Grimper! Oh, il y a un oiseau! Hop, il y en a pépère! Passer en dessous... Ok, j'ai perdu un doigt hein, dans l'opération. C'est marrant, j'avais jamais remarqué dans Condemned 2 que t'avais un doigt en moins. D'accord. C'est mignon. C'est chiant parce que je vois rien du tout. Là, je vois vaguement des ombres là qui passent devant moi, mais franchement, j'ai quoi? J'ai un seul gars que je traque ou il y en a plusieurs qui sont arrivés là? Je vois vraiment que dalle. Et là, il y avait un gars tout à l'heure qui est passé par là. Bon, ok. Je vais pas me poser de questions, écoutez. Je vais juste. Suivre ma route. Tu joues aussi Ethan dans le 2? Oui, on joue Ethan dans le 2. Mais Ethan qui a été destitué, je crois que c'est plus un flic à ce moment-là. Il s'est mis à boire. Le truc est une épave. Il était un petit peu traumatisé par son expérience dans cette enquête, je veux bien comprendre maintenant pourquoi. Ah tiens. C'est quoi qui a fait Graou? Ah mais tu peux faire Graou, je vois que dalle. Espèce de lâche. Quoi cette merde? C'est quoi ce machin? Putain, comment c'était solide, oh! Alors attends, déplacer objet. Ah, il y avait un piou-piou. J'ai l'impression que ça va être un niveau très court, ça aussi. Ça a l'air d'être un niveau de, encore un peu de délire dans la tête. Il nous refait la torche humaine là. Oui, non, mais j'ai l'impression que oui, il est en plein bad trip et enfin entre le réel et le bad trip, je sais pas. J'ai du mal déjà à comprendre quel type d'ennemi il traque parce que même l'ennemi il est bizarre. Puis même le gars que je viens d'abattre là, vachement résistant et tout. Enfin,
quoi ça? Ah, c'est un Gollum. Mais ça a complètement l'air dans sa tête en fait ce que je vois là. Hein. Voilà, parfait. Voilà. Je me suis un peu servi des ennemis. Oh putain, mais je vais crever là. Je me suis un peu servi des... Oh là, j'ai vraiment plus vie. C'est hallucinant. Je me suis servi des ennemis pour le frapper, mais ça a bien marché. Je pense que c'est un peu fait pour, d'ailleurs, quelque part. Que tous se les faire à la régulière, c'est un peu compliqué. Ah, mais attends, je peux monter là? Ah, mais j'avais pas vu ça tout à l'heure. Espèce d'ambiance bayou dégueulasse. C'est... Oh ouais. Alors attends. Allumer. Ouais, si tu veux. Ah d'accord. Ok, je vois. Combien j'ai de balles? 5. Ouais, mais résultat, je vois plus rien. Voilà, bon, bah... Allez. C'est très bien comme ça. Plus on avance, plus j'ai l'impression que ma théorie est juste. Mais c'est quoi ta théorie? Vas-y, raconte. Oh là! Péter la tronche, chat. Saoulant les mecs là qui me courent après, je sais pas. Franchement, ils sont bizarres. Voilà, on se rapproche. Dégage. Là, avec ces gars, on se rapproche des zombies. Je parle pas des gollums qui, oui, déjà effectivement ressemblaient pas mal à des zomblards. C'est où? Mais eux là. Regarde, il est bizarre. Il a, dirait qu'il a plus de lèvres. Il a un œil en manche. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que? Quoi ça? Quoi cette chose? Je sais pas trop ce que c'est. Pas grave. Ah putain! Ah bon. Il était buté par le petit Gollum qui est passé par là. Ah, c'est encore le gars! Mais c'est lui que je dois tuer! Tu veux pas m'aider le clodo là? Voilà, vas-y! T'es de la buter! C'est bien, mec! T'as buté le gars que je recherche. Fais voir un peu de près à quoi tu ressembles. Mais t'es tellement... dégueulasse! On est... T'es le petit frère du Némésis? Bâton! Bâton! J'ai eu bâton. Genre, je peux prendre ces bâtons au truc? Ah ouais, mais je garde mon truc alors, hein, puisque ça fait de l'éclairage, moi. Mais attends, mais... Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est ce machin-là, là, qui avait agressé Ethan dans le métro, hein, je le reconnais. Mais quoi, ça y est, j'ai tué le boss? Enfin, c'est même pas moi qui l'ai buté. Il a des espèces de... Je sais pas, il est scarifié de partout, il est vraiment bizarre, lui. Ça peut pas être un ennemi random? Je sais pas, écoute, je comprends rien, de toute façon.
Oui, ma technique, c'est la fuite. La fuite est une technique plutôt efficace. Sauvegarde. Hola. J'ai échappé à une allusion, je sais pas. On dirait que j'ai échappé à une hallucination. Et lui, pourquoi il est bloqué là? Ça va, il y a un mur invisible. Mais t'es tellement cradin, gars. Ok. C'est quoi ça? Les mecs armés. Il a mis où son arme? Il s'est pas visé par contre. Fusil. On est dans Resident Evil 7 là. Je prends un peu de temps pour voir si je peux pas trouver l'autre mec avec l'autre flingue. Je sais pas où il était. Je sais pas, l'autre flingue a disparu. Peut-être passer derrière la barrière là, je sais pas trop. Ok, c'est pas bien grave. J'ai ma petite planche de feu. Ça va, c'est efficace, petite planche de feu. J'aurais pu réutiliser la sienne, hein, mine de rien, c'est la même. D'accord, on est vraiment dans les serres. Voilà, très bien. Non, ils veulent pas se battre. Non mais foutez-vous sur les... Ok, on va se casser, on va se casser, je sais pas ce qui se passe. Il y a trop de mecs là, Vas-y, mais fais comme tout à l'heure. Allez, tape. Il les a tous défoncés, hein. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, le mec il bug. Je sais pas, c'est bizarre que en fait. Tu sais, tu es comme si c'était des gars random.
censé aller où maintenant? Oh, moi j'ai un des cerfs qui sont là, je peux pas rentrer là? Je fais l'hélicoptère! Brrr. Rentrer par là. Quoi ça? Oh, une plaque! Ouais, qui fait ça avec sa bouche. Oh, ah! Oh, mais non! Bon, on fait pas ça au corbeau! Oh putain de merde. Vas-y, ramasse. Ouais, prends. Des œils partout. Je vois rien. C'est normal que je vois que dalle, laisser. Voilà. Putain, je sais pas, on dirait un. On dirait un affrontement de boss. Il lui a foutu un coup de pied au cul sans raison, vraiment, comme ça, gratuitement. Ouais, mais descends toi là. Non, mais il y a même eux là. Un poil stressé là, je vous avoue. Il y a quelqu'un qui chante, je sais pas quoi là. Putain, mais t'es vraiment cradingue, gars. Jamais je touche ta peau, moi, normalement. Ah, ça y est, c'est à lui. Ah, mais le gars, on dirait. Il y a un film là, comme ça, Hellraiser. Vas-y, je suis en train de le. Défoncé. Je sais même pas où il est, Que dalle. Et c'est genre, il se téléporte? Ah, il est là. Il fait des petites cabrioles. Hey, Rodriguez! Attends, il marque quoi? Attends, il va chercher un truc là. Attraper l'épaule. D'accord. Faut le dessaper en fait. Oh putain, une sauvegarde. On est d'accord que ça chante, hein. Il y a un truc qui chante. Ah, il y a des soins là.
Ok, je vais où? Évidemment, j'ai plus ma lampe, hein, pour ceux qui se posent des questions. C'était celle-là? Je sais pas. Ah oui, attends. Grimper à l'échelle. Donc en fait, le truc, ça serait de lui foutre une rouste jusqu'à ce que il ait plus... de trucs à son épaule. Genre, voilà. Attraper le dos. Ah, tu lui arraches chez... ah putain, tu lui arraches chez l'extension, là. Acheté chez Claire's il y a pas très longtemps, bordel. C'est particulier quand même, comme duel. Attends. C'est normal, là? Un duel cinématique? Allez, hop. Y'a un soin. Oh voilà, soigné. Eh mais il me rouste bien, hein. Oui, il prend bien les coups de hache, quand même. Y'aurait pas un autre soin, là, qui traînerait sous le sol? Des fois que... Quoi, ça? Ils m'ont filé une canalisation, ça, jamais. Bon, je vais certainement crever. Mais voilà. C'est évident. Du coup, j'y vais comme un bourreau, gros bourrin, ce qui semble être une méthode plutôt efficace. Attends, merde! Ah, c'était bon. Je l'ai pas vu parce qu'en fait, il est resté debout. Alors, je crois que là, si je le tape, c'est bon. Voilà, attrapé dedans! Ah oui, bah oui, il a une espèce de... Il a un appareil dentaire, tu lui arraches ses bagues. Ah là, par contre, ça doit faire très très mal. Malcolm. Ah oui, mais oui, Malcolm, c'est Van Horn. Alors déjà qu'Ethan avait l'air carrément suspect, mais alors là, déguisé en The Torturer, avec son sang partout sur la tronche. Thomas, you have looked into the face of hate, the visage of evil. Regardez les yeux d'Ethan, genre, il est là genre bon. On dirait un bisounours. Avec sa peau grasse. Mastering one's fear and controlling one's hatred is perhaps the most difficult thing one can do. Well, at least it's over. It's dead and the killings will stop. Stop the car. No, no, you still don't understand. He's done unspeakable things, even though those he killed were killers themselves. But he isn't
responsible. He's not in his right mind. He's... Stop the goddamn car now! Il l'a mis dans le coffre. C'est une blague. Open the trunk. Thomas, don't. He was a good boy. We were all good people. We were able to fight it back, most of us. My nephew was not as strong. He fell victim and destroyed so many things. We fought to save him. I must continue to do so. I don't care whether the sick fuck is in his right mind or not. Think of what you are doing. Both of you have a chance for redemption. Redemption? Listen, old man, you used me just like he did. You used me to save your precious nephew, a serial killer. You're no better than he is. Mais what? Comment ce... Là va-t-il se terminer? Compassion, vengeance? Bah voilà. Il s'est tué. Il s'est tué, tout seul. J'ai rien fait. J'ai pas osé tirer. J'ai à peine eu le temps de réagir en réalité, hein. En sachant que j'ai pas vraiment de compassion pour lui, mais... Around here, people keep to themselves. Why the lay low routine? I've been cleared of the murders, but my suspension has got me thinking. I guess I just... Attends, mais c'est déjà la fin du jeu, en fait? Yeah, tough break. Man, you look like crap. Yeah, I've been better. You said you found something interesting? Yes, very odd. A cult seems to be behind all this. We can tie them to the deaths of the serial killers investigated by your department. A cult? The man responsible was Leland Van Horn. Yes, I know. He manipulated both you and us. But where is he? We have no Leland Van Horn in custody. He... Look, I explained all of this in my deposition to the Bureau. But a lot of unanswered questions remain, Thomas. Which brings me to why I'm here. Maybe we could make better sense of all this if a few more were found, but under the circumstances, you did well. Anyway, the results suggest a group may be behind all this, and lots of other criminal activity around the city. Do you know anything about this? Who these people are? Are you affiliated with them in any way? Rosa, can I trust you? Of course you can trust me, Thomas. We've been through a lot together. Look, I have no idea what any of it means. Something weird, something unexplainable happened during my investigation, but truthfully, the questions you ask, I can't answer. I'm sorry, Rosa. I'm sorry too, Thomas. I really am. Take care of yourself. D'accord. J'imagine que si je fais continuer... C'est le générique de fin.
J'ai quand même du mal à réunir tous les éléments qu'on a et à construire quelque chose qui expliquerait tout en fait. Donc oui, il y a cette, cette espèce de créature chelou avec des scarifications partout qui semble être la, la source même du mal et qui aurait manipulé des tueurs et qui aurait manipulé Leyland, donc le tueur X, mais également Ethan. J'interprète juste la fin comme ok, il est juste en train de délirer et de toutes les manières il n'a pas détruit la source du mal. La source du mal, elle apparaît toujours dans le miroir et je pense qu'elle est peut-être multiple, je sais pas vraiment. L'homme qu'on a abattu était un peu différent, a priori. Mais oui, il y a une secte. Il y a une secte derrière tout ça, donc il y a plusieurs personnes. Et il y aurait vraiment quelque chose de surnaturel là-dedans. Manipule les esprits, ce genre de choses. D'accord. La fin est assez vague en réalité, hein. Alors peut-être qu'il y a des indices un peu subtilement glissés dans le jeu, mais là, comme ça, je pense qu'on ne peut pas donner réellement, on ne peut pas mettre un point, voilà, hop, à la fin du jeu. Clairement, ils savaient, je pense, qu'ils allaient faire un Condemned 2, et sorti pas très longtemps après, Condemned 2. Ils savaient qu'ils allaient continuer l'aventure d'Ethan. Ok, bon, en tout cas, j'ai pas vu la fin venir. Je m'attendais pas, en fait, à ce que ce soit les derniers niveaux. Et que là, je termine le jeu. Bah voilà, ça s'est fait. Le jeu était super cool. L'ambiance est géniale dans ce jeu. J'aime Condemned, vraiment. Ambiance assez unique, hein. Y a pas de jeu, beaucoup de jeux qui réussissent comme ça à maîtriser cette tension. Et ces combats. Les combats de Condemned, c'est quelque chose. Et je suis content de l'avoir découvert. Voilà. J'espère que ça vous a plu à vous également, et puis on se retrouve une prochaine fois pour d'autres aventures sur d'autres jeux. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à laisser un like, ça me fait plaisir, et à commenter, parce que j'aime bien lire vos réactions. Et si tu veux m'aider, tu peux regarder des pubs pour moi sur mon YouTube, le lien est en description. Merci, et à bientôt pour d'autres vidéos.